voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue nos vidéos tuto et aujourd'hui on parle du GB. Alors attention, c'est parti! On se retrouve sur mon petit compte 24 heures chrono. Nous en sommes finalement à la moitié, 12h30 de jeu. Et où on en est, les amis? Et bah, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le GB10. Et on le farm. On n'est pas là pour essayer, hein. On a fait quelques petits trails, on a trouvé notre team. On a bidouillé un petit peu pour essayer de trouver le meilleur rapport sécurité, hein. Un run 100% safe avec le temps le plus rapide aussi. C'est cette team qu'on a trouvée. On va avoir l'occasion d'en parler tout de suite. Je vais vous présenter la team, je vais vous expliquer ce qu'on a fait aussi depuis la dernière fois et comment vous-même, parce que vous allez voir, il n'y a absolument rien d'extraordinaire, hein. À ce que j'ai fait, vraiment tout le monde peut le faire. Je vais tout vous expliquer pour que vous ne soyez pas perdus et que vous puissiez faire exactement la même chose. 1 minute 58 en moyenne, hein, on est en sub 2 minutes et 100% de win rate, c'est très très bien. On s'était laissé hier avec vraiment le tout début du jeu, avancer en scénario, débloquer Paimon L, les premiers défis, etc. Notre premier objectif, c'est le GB10. Ça, vous l'aurez compris, en explorant le chemin de l'invocateur, on vous conduit, hein, très naturellement vers le GB10. On a fini certains défis qui vont être très importants. Il va falloir aussi pour vous les faire. Entre autres, il y avait un défi qui nous permettait d'accéder à Lapis. Lapis, on nous donnait tous les matériaux nécessaires pour la montée 6 étoiles, pour le wake, et ensuite la passer niveau 40, et notre lapis est passé 6 étoiles 40, et c'est un monstre. C'est un monstre, littéralement. On va se servir dans cette vidéo quasiment, vous allez voir, exclusivement de monstres et de runes qu'on nous donne. Ce qui veut absolument dire que tout le monde peut le faire, vous allez voir. On a fini aussi l'event de runes, le premier event d'aide aux nouveaux joueurs. On a réussi à terminer, hein. Il suffit de consommer 1500 points d'énergie, ça va très vite. Et du coup, on a débloqué ces 4 sets de runes, hein, auxquels vous aussi, vous allez pouvoir avoir accès. Et vous allez voir qu'on va énormément s'en servir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un autre set de runes qu'on utilise aussi, vous allez voir. Et ce set de runes, c'est la récompense quand on a fini le défi de Lapis. Quand on finit toute une série de défis, là par exemple je suis sur le défi donjon quotidien, quand vous finissez le défi vous avez une récompense, mais vous en avez une deuxième ici que vous pouvez récolter. C'est un set de runes Vampire Revenge, 6 étoiles, plus 15, etc, etc. Ah non, c'est sur Melia, c'est juste, je confonds. Il y a aussi un autre défi qui vous apprend à fusionner, et pour vous apprendre à fusionner, on va vous demander de fusionner Melia. Ça tombe bien, vous allez voir, on va s'en servir après. D'Omélia pour notre team. Et bah, du coup, bah, c'est parfait. On nous fournit directement tous les monstres nécessaires pour fusionner Melia. On nous demande de les évoluer, de les éveiller. Et une fois qu'on a fait tout ça, on nous demande de fusionner Melia. Et boum, en récompense, qu'est-ce qu'on a? Bah, en plus de Melia, hein, ce qui est déjà pas mal, on a un set de runes violent focus excellent pour elle. Bah, vous allez voir, c'est de ça dont on se sert. Notre objectif, notre premier objectif sérieux étant le GB10, on l'a réussi en un petit peu plus de 10 heures, et là ça fait un petit moment qu'on discute en live, mais dites-vous que là on est à 12 heures, mais là maintenant notre team, voilà, on est presque un petit peu loin de notre première team, hein. Notre première team, elle était, alors après maintenant dans mon profil, c'est vrai que voilà, ça fait 2 jours, ça fait 2 jours, TWA 40 aussi, hein, d'ailleurs, vous avez vu, ça va très vite, voilà. Alors ça, c'est notre team la plus rapide, c'est la team qu'on utilisera dans cette démonstration. Non, on n'a pas Bernard maintenant, on a mis Shannon. On a mis Shannon pour assurer le 100% de win rate, le buff def est vraiment très sympathique. Donc on a mis Shannon, mais c'est vrai qu'on pourrait retester avec Bernard maintenant qu'on a un petit peu plus évolué nos personnages, ça pourrait valoir la peine d'essayer. Enfin bon, tous les personnages sont là. Ils sont là, ils sont prêts, bah, y a absolument rien d'exceptionnel, hein. J'ai voulu faire une vidéo justement qui montrait l'évolution du joueur lambda, du commun des mortels. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas besoin d'aller chercher des 4 nades, des 5 nades. Moi je n'ai pas eu de chance. Voilà, typiquement, on doit avoir ouvert maintenant sur ce compte à peu près 120 vélins. Je pense qu'à la louche on doit être à 120 vélins, plus quelques light and dark, plus quelques légendaires. Et on a eu très peu
d'étincelles, très peu de catnates, mais c'est pas grave. Comme vous avez pu le voir, ça ne nous a vraiment absolument pas ralenti. Au contraire, vous allez voir que grâce à ça, on a pu atteindre cet objectif du GB10 très rapidement. La piste, on nous la donne au tout début du jeu. On suit le défi qui nous permet de la monter 6 étoiles 40. C'est le cas, c'est notre premier 6 étoiles, c'est notre farmer, c'est normal. Notre farmer, c'est notre premier personnage 6 étoiles. C'est elle qui farm Faemon pour booster l'exp des personnages. C'est elle qui farm aussi la crevasse des dimensions pour booster l'exp des autres. Donc, c'est elle qu'on passe 40 en premier. Surtout qu'on nous donne tout pour le faire. Il n'y aurait vraiment pas de raison de s'en priver. Le set, c'est donc le set Vampire Revenge dont je vous ai parlé tout à l'heure. 6 étoiles, plus 15. Très, très, très sympathique ce set. Et comme vous pouvez le voir, étant donné qu'elle est 6 étoiles, on a pu aller lui chercher des petits artefacts blancs. Hein, on a pris, on a fait juste les premiers niveaux. On est allé chercher quelques artefacts bien blancs. Hein, on se fiche un petit peu des substats. C'était pas forcément très, très, très important pour nous. Par contre, ce qui était important, c'était de venir chercher ces plus 116 de puissance d'attaque. C'est vraiment très, très, très sympathique. Ça fait vraiment la différence. Avec ce set de runes, bah, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt correcte, cette lapis. Elle farm Faemol L. Elle farme la crevasse des dimensions en hard, pixel, on l'adore. Elle fait le taf aussi sur les vagues en GB10. On joue Fran. Fran, c'est le deuxième personnage qu'on a passé 6 étoiles. Vous voyez, en 12 heures de jeu, on a 2 personnages 6 étoiles. C'est un personnage qui va vous suivre toute votre carrière d'invocateur. Vous allez vous en servir plus tard en PVP. C'est vraiment très très fort. L'immunité, le buff attaque, le contrôle ATB, c'est vraiment très fort. Au niveau des runes, on lui a mis Violent Will, qui est le dernier set de runes qu'on obtient dans l'event d'aide aux nouveaux joueurs. Le premier, c'est le set Fatal Lame. En deuxième, on a un set Swift, celui qu'on a mis sur Bernard. Le Fatal Lame, on a mis sur Ardella. En troisième, on a un set Desper qu'on a mis sur Shannon. Et en dernier, le quatrième set, c'est celui-ci qu'on a mis sur Fran. Il est en violent PV Def. Bon, les runes ne sont pas forcément exceptionnelles, mais en early game, ça suffit largement. Et elle aussi, étant donné qu'elle est 6 étoiles, on a pu aller lui chercher 2 petits artefacts, lumière et support. Alors, on aurait éventuellement préféré au moins un artefact PV. On n'en a pas eu, c'est pas grave. Écoutez, on lui a mis 2 artefacts attaque. Bah écoutez, ça tombe bien parce que elle scale ses soins sur la puissance d'attaque. Donc du coup, bah, ça lui fait faire des soins un petit peu plus gros. C'est pas mal. Et ce set est très sympa aussi parce que ça lui donne suffisamment de vitesse, vous allez voir, pour jouer avant les knuckers. Et dans ce cas-là, bah, les knuckers ensuite vont pouvoir jouer avec le buff attaque, et ça, on apprécie. Shannon! Ah, cette bonne vieille Shannon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Hein. Elle était déjà là, il y a plusieurs années, dans les tutos très 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 early, de il y a 6-7 ans. Bah, elle est toujours là aujourd'hui, parce que mine de rien, ce petit lutin vent, elle est top pour safe les runs. Shannon est exceptionnelle, parce que elle a un excellent skill 3, motivation, elle va booster la puissance d'attaque et la défense pendant 3 tours. C'est très très bien. Et l'avantage, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de l'avantage de jouer des personnages 2 et 3 étoiles comme cela, qu'ils se skill up très facilement. Regardez, ma Shannon est quasiment full skill. Pourquoi? Parce que des lutins, vous allez en trouver dans les vélins inconnus, dans le shop, vous en trouvez partout, on vous les jette au visage, les lutins. Et bah c'est parfait. Comme ça, hop, voilà, il vaut bien mieux jouer un perso 2, 3 étoiles avec un set de runes correct et full skill qu'un 5 nat aura des runes pas terribles et 0 skill up. Donc là, on est vraiment bien avec cette Shannon. On n'ira probablement pas plus loin, on verra. Elle est 5 étoiles, elle est 35, on est très bien. Et elle fait clairement le café. Elle a le set d'Esper qu'on a obtenu dans l'event d'aide aux nouveaux joueurs. Hein. Il est en attaque PV. Bah, voilà, on aurait peut-être préféré un PV-PV chez elle. Mais bon, t'as fait le taf, elle est que 5 étoiles, donc pas droit aux artefacts pour madame, mais elle a pas mal de précision, ce qui lui permet de quand même pas mal passer ses debuffs, en plus du petit proc d'Esper de temps en temps qui fait le café sur les vagues. Le Bernard, bah le Bernard, vous l'aviez déjà vu hier, il a ce petit set Swift Energy qu'on obtient hein, dans l'event des nouveaux joueurs, donc encore une fois, un personnage qu'on nous donne, hein. Shannon, c'est vrai que je voulais pas préciser, mais Shannon, Bernard, Fran, c'est des personnages qu'on vous donne dans les défis. On vous les donne en plus déjà awake. Vraiment, il n'y a qu'à les prendre, leur mettre les runes qu'on nous donne et les jouer, quoi. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, pour le coup, il suffit de jouer avec ce qu'on nous donne. On l'a mis avec ce set Swift, vitesse PV Def. Il est suffisamment rapide pour jouer avant tout le monde, booster les ATB, booster la vitesse. Sympathique pour Ardella qui scale ses dégâts sur la vitesse sur skill 2. Il y a son break Def, il fait quelques dégâts. On apprécie. La skill up, c'est pareil, les griffons.
on en trouve assez facilement. Et il y a même des SD. Hop! Ardella. Alors, Ardella, c'est peut-être le petit bémol de cette team. Lapis, Fran, Shannon, Bernard et Melia sont vraiment donnés par le jeu dans le chemin de l'invocateur. Il n'y a absolument rien à faire d'autre que les prendre. Ardella, c'est un petit peu le bémol de cette team parce qu'elle n'est pas donnée. Vous pouvez l'obtenir dans un SD, vous pouvez l'obtenir dans un vélin, donc vous pouvez l'invoquer. Il faut savoir que jusque-là, on a invoqué à peu près 120 vélins. Il y a quand même de fortes chances que, au niveau où on en est dans le jeu, vous ayez chopé une Ardella dans un petit vélin. Mais c'est pas non plus 100% garanti. On pourrait très bien tomber sur des joueurs qui disent « Ah bah non, mais moi j'invoque rien » ou « Bah moi j'ai pas eu de chance et j'ai pas eu Ardella » ou « J'ai pas commencé le jeu le bon jour, j'ai pas le S des vents ». Je pourrais l'entendre aussi. Donc vous pourrez tout à fait vous passer d'Ardella. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, on a 6 monstres. Et avec ces 6 monstres, vous composerez la team qui vous va bien. Moi, j'ai utilisé Ardella. J'ai eu, entre guillemets, la chance de la dropper. C'est quand même pas si compliqué que ça, hein. On a même eu quasiment de quoi la full skill. Au niveau des runes, on lui a mis le premier set de runes qu'on obtient dans l'event d'aide aux nouveaux joueurs. C'est ce set Fatal Lame, attaque DCC, attaque qui lui va comme un gant. Regardez-moi ça, ça lui donne de très belles stats au niveau 35. Bah, c'est parfait, on est ravis. Et la dernière, la petite dernière à avoir rejoint la team, c'est Melia. Melia, bah, comme je vous l'ai dit, on l'obtient dans l'event... dans le chemin de l'invocateur, dans le défi de fusion, voilà, le défi qui vous apprend à faire une fusion. On vous donne tout pour la faire, hein. On vous donne les mobs, les 4 mobs, on vous les donne, on vous demande de les monter, bah vous les montez, on vous donne de quoi les awake, on vous demande, bah maintenant faut l'awake, donc c'est vraiment pas compliqué, et quand vous avez fini ça, bah on vous demande de fusionner Melia, et en échange, on vous donne ce set de runes qu'on lui a mis, un violent focus, vitesse PVPV, parfait pour un doteur, hein. Il y a aussi pas mal de précision dessus, on est ravis, et avec ça, elle est tip top, vous allez voir, elle est géniale sur les vagues, hein, en GB10, sur le boss, elle nous met parfois des petits bâtons dans les roues, mais bon, c'est pas bien grave, on lui en veut pas, en tout cas, malgré elle, entre guillemets, on a 100% de winrate et une vitesse de farm qui est très rapide. Autre bonus avec Melia, c'est que vous pourrez vous en servir TOA. C'est une excellente doteuse en TOA, vous allez l'adorer. Voilà, on a nos 6 mobs, ils sont montés, hein. On a 2 6 étoiles, Fran n'est pas encore fini, elle est que 35 sur 40, mais ça suffit, vous allez voir, pour la démonstration, c'est largement suffisant. Tous les autres sont 5 étoiles, 35, et maintenant, il est l'heure d'aller faire un tour dans notre premier objectif PVE sérieux, le Castel du Géant, Basement 10, donc sous-sol en fait. Les gens demandent parfois, c'est quoi le GB? En fait, c'est Giant Basement, donc sous-sol. Vous voyez, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On descend en profondeur dans le géant. Et là, on est à l'étage moins 10, le fameux GB10. On utilise Lapis en leader, parce que bah, elle donne un lead pour tout le monde. On pourrait utiliser le leader d'Ardella, mais c'est réservé au monstre vent, et du coup, Lapis n'en profiterait pas. Un petit peu plus fort, mais bon, la piste l'aurait pas. Donc là, tout le monde en profite. On joue Shannon, Ardella, Melia, Fran. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas ou si vous n'avez pas droppé Melia, mettez Bernard à la place. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. À vous de composer un petit peu la team que vous voudrez, mais honnêtement, Ardella n'est quand même pas si difficile à jouer. Si vous êtes un vrai puriste et que vous voulez vraiment jouer une team 100% donné par le jeu, avec des runes 100% données par le jeu, et ben c'est celle-là. Alors du coup, on est parti. Géant 10, ça commence à cogner, hein. Géant 10, vous allez voir, les vagues commencent à cogner sérieusement, et vous serez bien content d'avoir le contrôle ATB de l'Amélia, le contrôle ATB de la Lapis, le buff def de la Shannon, parce que quand les cristaux, voilà, commencent à taper, ça peut faire très très mal. Sur le midi-boss, pas de problème. Il y a peut-être le gel, mais ça fait beaucoup moins de dégâts, et encore une fois, le contrôle ATB de Lapis et de Melia font vraiment, vraiment le taf. Vous allez voir, là, les dots de Melia ont un peu plus l'occasion de proc. Ça nous permet d'aller assez vite. On est reparti, dernière vague avant le boss. Voilà, ah, on n'a pas de contrôle ATB, là, on va prendre beaucoup de dégâts. Le revenge, hein, vous avez vu, le revenge de Lapis, hein, qui permet de... Voilà, de la sustain et de faire beaucoup de dégâts. Et, boum! Voilà. On arrive sur le boss. Alors, c'est là que Melia, tout à coup, devient
un petit peu moins intéressante. Elle va poser beaucoup d'hôtes, mais elle va aussi beaucoup contrôler la TB, et le boss ne joue finalement quasiment pas, donc les dots ne proc pas. Malgré tout, ils ont quand même un intérêt, c'est pour Ardella. Ardella, sur son skill 1, fait des dégâts qui scale sur le nombre de debuffs. Bah là, des debuffs, il y en a pas mal. Donc c'est parfait, on a perdu Fran, c'est pas trop grave, vous allez voir que vous aussi, vous allez perdre un personnage de temps en temps, ça vous empêchera pas de finir, même si, imaginons une catastrophe, vous vous faites quasiment white votre team, avec tous les dots qu'aura posé Melia avant ça, vous devriez quand même finir votre run. Et voilà, 1 minute 36 pour une première team GB10, je pense qu'on est vraiment très 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 bien. Vous allez avoir tendance à plus cycler et donc encore plus empêcher le boss de jouer et donc de prendre des dégâts. Et vous aurez les dégâts d'Ardella en moins, donc vous serez probablement tout aussi safe, ça il n'y a pas de doute. Par contre, vous serez malheureusement un petit peu plus lent. Au moins, c'est vraiment la team que tout le monde peut faire. Hein. J'apprécie beaucoup hein, le contrôle ATB de Melia sur les vagues, parce que vraiment, les vagues sont ce qui nous met le plus dans le mal. Hein. Le boss, ça va. Le boss, il est un peu embêtant avec son passif. Voilà, tous les 6 coups, hein, il va nous donner une contre-attaque. Et quand il a le buff d'attaque de la tour, il peut littéralement nous one-shot quelqu'un. Mais c'est pas trop grave. En vrai, c'est pas trop grave, même si on perd quelqu'un, vous avez vu, un Lapis qui a pas l'avantage élémentaire en défense, prend des gros taquets, mais malgré tout, c'est pas trop grave. On a Melia et Sedot qui nous permettent quand même de rendre le run, même s'il finit un petit peu plus tard, ça nous permet quand même de le finir assez safe. Voilà. Le boss ne joue quasi jamais, en fait, hein. Le boss ne joue quasi jamais, il y a vraiment beaucoup trop de contrôle ATB dans cette team. C'est vraiment que son passif qui lui permet de placer une petite attaque de temps en temps. Et voilà, en 10 heures de jeu, 12 heures de jeu, disons, allez, on a pris notre temps, hein, on a joué chill, on a beaucoup discuté. On prend beaucoup de plaisir, en tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu sous cet angle aujourd'hui. Et de me rendre compte que Come to Us nous donne tout ce qu'il faut, toutes les armes, les personnages, les runes qui nous permettent d'avancer très facilement sur cette early game, et très rapidement aussi, parce que mine de rien, 12 heures pour faire une team GB10 safe en moins de 2 minutes, c'est juste exceptionnel. Est-ce qu'on testerait pas le GB11? Ok, les petits dots, oh, allez, le contrôle ATB, ah il va jouer là, hein. Attendez voir, ouais il joue là, là il joue, on contrôle, ouais oh, il cogne, hein. En vrai ça va passer hein. Je pense que ça passe. Ouf. Avec le buff attaque, par contre, ça fait très mal. Hein. Mais ça va passer quand même. Hein. Allez, mais joue, là. Avec tous tes dots, là. Tu vas mourir, là. Arrête, la piste. Laisse-le jouer. Laissez-le jouer. Voilà. Ça passe. On le tente pour le fun. Pour le fun. On le tente. On le tente pour le fun. Cette team full 40, tu passes le GB12. Eh, je pense, ouais. Honnêtement, je pense. Full 40, 3000 HP avec les arts. Ouh. Ardella. Bye bye Ardella. Là on pourrait changer Ardella par Bernard pour voir peut-être. Oh les dots. Ok. Ok, elle se sustain bien hein, quand même la lapis hein. Et n'empêche que ma frappe, vous avez vu les soins qu'elle fait grâce à ses artefacts d'attaque. Hi, la contre-attaque, heureusement, on avait le buff def. Ça va passer. Arrêtez, ça va passer. Hein. Laissez-le jouer. Ça liche tellement d'ATB. Là, il va jouer, il va mourir. Et voilà. Les amis, GB12. GB12. 13 heures de jeu. Ok? Qu'avec des monstres qu'on a dans le jeu. Hein. Vous y êtes, les amis! Regardez ça! Team Free. Ça, c'est la team tuto. Alors, venez pas me dire... j'ai pas de chance, j'ai pas de nat 5, ou alors au contraire, ouais, j'ai des nat 5, ça m'a trop carry.
Voilà. Il y a deux monstres 6 étoiles, un seul qui est niveau 40. Il y en a que deux qui ont des artefacts. Et voilà. GB12. Et le pire, c'est que c'est plutôt safe en vrai, hein. On serre un peu les fesses, mais en vrai, ça va. Compte tenu de la marge de progression qu'il y a encore sur la team, on est plutôt safe. Deux monstres 6 étoiles avec la foudre donnée, t'as pas farm 6 heures de boost X pour les faire. Oui, c'est clair que j'ai pas farmé, hein. C'est vraiment que avec ce qu'on m'a donné, hein. J'ai pas trop tryhard, je vais avouer. Oui, je suis d'accord, c'est long, mais ça c'est le temps qu'on mettait à faire du GB10 il y a 4 ans, quoi. Et voilà, démonstration, 13h10 de jeu, une team qu'avec des monstres donnés dans le tuto, qu'avec des runes données dans le tuto, aucun effort particulier, c'est fait. C'est beau quand même. Oh. Non mais en vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux. 13h. Voilà. J'ai en 12. 2 jours de play-ed. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à progresser dans vos premiers objectifs sur Summoners War. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!